Salut tout le monde, c'est Tania et on se retrouve pour l'épisode 11 de Let's Play sur Eden Eternal. Encore une fois, je suis seule. Ah, j'ai hâte de pouvoir tourner un épisode avec Yuko ou avec Sakura ou enfin avec Neko. Enfin, peu importe, j'aimerais bien tourner un épisode avec vous si ça vous tente encore ou quelqu'un de nouveau hein, aussi. Ça serait sympa. Je suis en train de faire une petite quête. Non. C'est. Faut tuer des urnes antiques. Bon, tuer. Faut. Ouais, bon. C'est pas tuer, c'est les casser. Mais... Et là, on est tombé sur les élites de la religion. Oh, bon, là, je suis encore trompée. Bon, vous voyez, quand il fait le truc mauve, là, il faut arrêter de l'attaquer parce qu'il récupère de la vie. Dès qu'on l'attaque. Donc évitez aussi que vos familiers lui fassent des dégâts. Parce que c'est pas quand on l'attaque, c'est quand il reçoit des dégâts. Voilà, normalement, on va l'avoir ici. Et voilà. Alors j'ai récupéré ça. Et j'ai la voix un peu enroué, comme vous pouvez l'entendre. Alors on ouvre ça et j'ai reçu la boîte à jouer cassé pour familier. Et dedans il y a un collier niveau 30, donc mon familier il faut que c'est niveau 30, il est niveau 26, 20, 23. Alors on continue la petite quête. Bonjour DJ Kai. J'ai pas trop quitté, mais bonjour. Alors, est-ce qu'il y a des urnes un peu par ici? Oui, ici il y en a une. Non, rien looté. Elle. C'est passionnant. Ah. Un loot. Oups, je l'ai même pas récupéré en plus. Non. Voilà. 5 sur 7, c'est génial. Voilà. Pardon. En tout cas, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous laissez. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça m'encourage à continuer mes vidéos. Ben, de toute façon, c'est certain que je les continue mes vidéos, mais parce que j'aime bien les tourner. Et j'aime bien jouer que je joue dans mes vidéos de toute manière. Oui, mais c'est vraiment ça me redonne le moral, disons, que quand je vois vos vidéos, vos commentaires. Alors merci beaucoup. Pardon. Alors on va informer Barbe de notre progression. Oh, un autre élite de la Légion. On va essayer de se le faire sans mourir aussi. Parce que j'ai eu le don pour m'attirer les ennuis. Oh oh. Oups. Oupsie. Je suis mort. Bon, on va ressusciter et vous allez voir parce que je crois que je suis pas encore morte hors donjon. Alors quand on ressuscite, on perd 10% d'XP. Alors c'est génial. Mais bon, quand on est bas level, comme moi en ce moment, c'est pas très grave. Mais quand, je peux vous dire que quand ça, vous gagnez 1% d'XP par quête, vous allez rager si vous mourrez, donc faites attention. Bon, ben, du coup on est plus proche de la personne à qui il faut aller voir, donc Barbe. C'est pas mal la seule bonne chose que je vois.
Alors, excès de mana. Et on a monté de niveau. On est rendu niveau 30. Je sais pas ce que ça fait du tout, mais. C'est cool. Ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Oh, ça me tente. On a monté le niveau de classe aussi. Je m'en souvenais plus. Oui, apparemment, je m'en souvenais. Ok. Faut aller battre Albert. Ah, oh, c'est le monsieur là-bas. Ok. Est-ce qu'on devrait essayer les élites? Oui. Je ne l'attaque pas. Je ne l'attaque pas. Voilà. Et là, je remets lui. Ah non, mais. Tu vas le faire en permanence, ça. Regarde, ça fait un cas d'attaque. Redonne, je sais plus trop combien. Je le lirai s'il refait. Ah. Ça fait un cas d'attaque récupère 3080 PV et 460 PM. Donc c'est pas le fun. Et bien entendu, l'attaque augmente à chaque niveau. Donc si plus le niveau. Plus votre niveau. Bah, plus le niveau. La région va être élevée, plus il va récupérer de PV. Si vous lui enlevez. Si vous lui en enlevez. D'accord. Faut aller battre Albert. C'est ça qu'on allait faire, c'est vrai. Ça rime. C'est par là-bas. Ah non, c'est pas par. Ah, il m'a empêché de mettre mon alpaga. Bon. Et attendez, si j'en bats un, je parie que je monte deux. Bon, en fait, si je bosse ces deux-là, peut-être. Voilà. J'ai monté le niveau de classe. Alors, j'augmente ça. Et voilà. Alors, on va aller battre Albert. Albert. Oups. C'est où? Ok. Ah, je me suis installé là-bas, ok. En tout cas, j'espère que vous aimez le let's play sur Assassin's Creed. Puis si le format vous plaît aussi, parce que c'est peut-être que c'est trop long, trop court. Bah, ça m'étonnerait que ça soit trop court, parce que c'est quand même 40 minutes chaque épisode là. Mais je sais pas si c'est trop court, dites-le moi. Oups, je suis en train de me faire attaquer à tous les bords. Donc si c'est trop court, trop court, trop long, dites-le moi. J'essaye un nouveau format, je sais pas, parce que les missions sont quand même. Ben, l'émission, les séquences sont quand même assez longues dans Assassin's Creed. Donc j'essaye 40 minutes. Mais si c'est trop long et que vous avez pas le temps de les regarder au complet, dites-le moi, au pire, je mettrai deux parties de 20 minutes. Comme ça, vous aurez juste à regarder la première partie et ensuite la deuxième. Ok, je sais où. Voilà. C'est où là? Eh bien. On va aller se faire les élites en même temps. Ils sont là. Ah, ils sont en train de se battre. Bon, je vais soigner DJ Kai. Parce que. Voilà. Et je vais aller informer Dominique de ma progression. Bonjour Coury. Oui, je dis bonjour à tout le monde. Alors, une nouvelle robe.
Et il fallait parler à Barbe. La robe, est-ce qu'elle est meilleure? Oui, elle est meilleure que ce qu'on a. Ok, je vais améliorer un peu. Guérison générale. Et voilà. Ça, c'est où? C'est à la forêt arc-en-ciel. Bon, bah, en même temps, on va faire cette petite quête là. Il faut aller chercher la nourriture pour Alpaga, je crois. Ouais. Alors. En même temps, j'ai enchanté la robe. Et à niveau 26. Alors. Je vais utiliser mes parchemins de garde. Voilà, et ceci. Et comme ça, je vais la mettre et ils vont me faire 2 plus 283 de défense. Voilà. À quoi je ressemble déjà avec. Ok. Attendez un peu. Titre. Non, c'est pas ça, c'est dans ça. C'est pas beau du tout avec ça, mais voilà. Mon personnage a totalement bugué comme ça. Alors je vais faire mon screenshot devant vous. Attends, je vais pouvoir vous montrer comment je fais mes screenshots pour le. Pour la miniature. Alors, je vais mettre comme ça. Et. J'allais dans. Moi, ce que je fais, c'est que je vais dans paramètres, personnage. Non, j'enlève nom, guild, 7 vitesse et jeu de santé. Voilà. Et je fais CTRL ALT. CTRL H quoi. CTRL ALT. Ah, CTRL ALT H. Et je vais mettre. J'ai oublié de quoi, non? Bon, c'est pas grave. Ah. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Ou alors. Voilà. CTRL ALT H. Et là, je vais ici dans. Moi, j'ai mis un petit. Ça, outil capture d'écran. Nouveau. Et je prends. Voilà. Voilà, c'était la petite partie capture d'écran parce que fallait que j'apprenne. Fallait que j'apprenne. D'habitude, j'apprends après l'épisode, mais là, mon personnage était buggy, puis ça me tentait de. Voilà. Non, peut-être. Et voilà. Alors, il faut aller voir lui, je crois. Que vendez-vous? Nourriture pour Alpaga. Ah, on peut utiliser le cristal béni, c'est vrai. Il y en a nourriture pour familier et appel mondial. D'accord. Puis bois, Jack. Il y a quand même tranquille. Oups. On va utiliser le portail. On est quand même stylé. Bon, les armes de plus haut level sont quand même plus stylées, mais on n'est pas encore haut level. Mais on est moyen level. On n'est pas haut level, mais on n'est pas bon level. Enfin. Alors, il faut aller informer Brack. Il est loin, lui, là. Bon, c'est pas grave. Il est pas loin, il est pas loin. Il est juste tout là-bas. Ou le moulet. Oh non. Bon, j'ai enlevé ça et. Ouais! Bonjour, RISM313. Un alpaga de. Ah, c'est vrai, on n'a pas encore reçu notre alpaga, nous. Normalement. Est-ce que je préfère le blanc ou. Non, je préfère le rose.
Allez, je mets. Est-ce que je peux le mettre dans les archives ou je l'ai déjà? Non, je l'ai déjà. Ouais, je vais mettre le blanc alors. C'est pas plus grave que ça. Et voilà, ça va prendre moins de place dans mon inventaire comme ceci. Par contre, est-ce qu'on peut... On ne peut être échangé. Ah. Ce que j'allais dire, peut-être qu'on pourrait le vendre ou quelque chose. Mais on peut pas. Alors, ben non. Mais... Je vais aller à Aven pour faire la quête ici. Et j'utiliserai le retour de l'âme pour aller finir mes quêtes de... Bébé Luga, éternel jeu, bien sûr, voilà, adopter titre. Voilà, je fais un Aven. Cinq ossuaires de l'île. Ok. Et je regardais les gens dans le canal des pères. C'est très inutile, mais bon. Hello? Bonjour. Bonjour, Irozen. Je sais pas si je le dis correctement, mais ok. J'ai regardé tes vidéos, bien joué. Eh bien, merci. Eh bien, tu vas passer dans mes vidéos, tu vois. Bonjour, Irozen. Et merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Si tu as besoin d'aide, on est là, MP nous. Ok, merci. PS, tu es dans ma vidéo. Dans ma prochaine vidéo. Eh bien, de rien. Il reste 25 secondes avant le temps de la fin du rechargement. Et bon, ça me fait vraiment tout le temps plaisir de voir qu'il y a des gens qui me disent bonjour, même si c'est juste pour me dire bonjour. La chance qu'on a après Yuko. J'ai pas tout compris dans ta phrase, désolé. La chance qu'on a après Yuko. Quoi? J'ai pas compris. La chance qu'on a après Yuko. Mais Yuko, je sais, j'ai fait une vidéo avec mais la chance qu'on a après Yuko. Si on a autant de chance après qu'elle que Yuko. Quoi? Ok. Ah, oh, il passe après Yuko. Ah, ça doit être ça.
Alors, Morticora 1, j'ai un donjon. Strahl, c'est qui Strahl? Irosen. Oh bah. Voilà. Je l'ai ajouté dans mes amis. Pour si j'ai besoin d'un autre jour, je lui parlerai. Et je penserai à toi. Alors, plus 1000. Ah oh non, c'est mieux ce que j'ai. Bon, bah c'est pas grave. C'est pour. Qu quoi? Je peux pas? Ok, je sais pas, ça a un peu bugué. Ah, ok, c'est accepté. Ok. Bon, ben, l'arme qu'il me propose est moins bonne, mais. De toute manière, ça donne pas mal de PO. Alors, voilà. On va faire le donjon et oublie pas que j'ai créé ma guilde. On est énormément en ce moment dans la guilde. On est un. Ouais, bon, faut que je fasse un peu de pub, mais. Ouais. Ouais, je ferai de la pub un peu plus tard, là. C'est. Oui, il y a énormément de monde dans ma guilde, ok? On est un. On est soudés. J'abandonnerai jamais ses membres. Parce que bah, c'est moi. Donc si vous voulez entrer, n'hésitez pas dans ma guilde, n'hésitez pas à me le dire. Sur YouTube ou en jeu. Alors voilà. Re tout le monde, désolé pour la petite ellipse, j'avais quelque chose à faire. J'en ai profité pour avancer un peu dans le donjon. Et on reprend un peu plus loin qu'est-ce qu'on était. Et voilà. Oh, je vais me manquer de mana. Voilà. On est presque rendu au boss, c'est très bien. Ah, ok, on est rendu au boss, je vais pas pouvoir le broken, je crois. Non, je peux voir. Changement total de sujet là. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous voulez que je fasse un jeu en particulier. Si vous voulez tourner un épisode avec moi aussi. Si vous voulez ou si vous voulez juste jouer avec moi sur Eden Eternal ou. Ouais, sur Eden Eternal si vous voulez juste jouer. Parce que, oui, petite transition. Génial de la marketing. Je vais commencer au moins à vous montrer tout ce que je fais. Parce que ça devient un peu répétitif et même bientôt, ben pas tout de suite, pour le moment, en fait je vais vous montrer juste les quêtes principales et les trucs qui sont intéressants. Mais pour le moment, je suis encore rendue à juste faire les quêtes principales, mais bientôt il va falloir que je fasse les quêtes répètes aussi. Peut-être que je vous en montrerai quelques-unes pour vous montrer un peu c'est quoi, si vous savez sûrement ce que c'est. Peut-être que je vais vous montrer quelques-unes, mais je vais pas toutes vous montrer. Donc bientôt, c'est ça, je vais pas. J'ai commencé à mettre des vidéos, ben, les vidéos je vais tout le temps les mettre toutes les semaines comme je fais en ce moment. Au début j'hésitais à en faire une ou deux par semaine parce que j'aime vraiment ça jouer à Eden Eternal, puis à chaque fois j'ai hâte de rejouer, puis je m'ennuie du jeu, puis je peux juste jouer une fois par semaine pour pouvoir voir vos commentaires. Mais bientôt je vais jouer pas mal toute la semaine parce qu'il va falloir que je fasse les 4 répètes puis que je progresse un peu avant de faire la vidéo. La vidéo, oui, la vidéo.
Donc, ce que je vais vous proposer, c'est, même si vous voulez pas faire un épisode avec moi, mais mettons, si vous voulez jouer avec moi, bientôt je vais pouvoir juste jouer avec cette personne-là, sans faire de vidéo forcément en même temps. Pour le moment, dès que vous me voyez jouer, c'est que je suis en train de faire une vidéo, à peu près forcément, mais bientôt non. Donc, si vous voulez juste jouer avec moi, vous pouvez aussi me demander d'un commentaire ou direct sur Eden Eternal. Ça me fait vraiment plaisir de jouer avec quelqu'un. Avec quelqu'un ou avec vous en fait. Bon après c'est sûr, je peux jouer plus les fins de semaine avec d'autres personnes parce que j'habite au Québec comme vous le savez. C'est des Québécois, c'est super. On a les mêmes horaires au moins comme ça, mais les Français, c'est plus les fins de semaine et les jours de congé aussi. Pour que ben, pour vous ça soit le soir, mettons, et pour moi ça soit le midi ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est ça. Et on arrive bientôt à la fin du donjon. Et je vais bientôt monter des personnages de classe. Normalement, j'aimerais monter de personnage, ouais, de classe, mais personnage, c'est sûr que je monte dans cet épisode-là. Classe, ça dépend toujours de beaucoup de choses. Non, mais de buffs, ok. Génial. J'ai pas regardé ma vie, attends. J'ai quoi comme stuff, moi? Ah, je sais pas améliorer pour tout. Du tout. Ah, ça explique pourquoi je prends aussi cher. Ouais. Donc pour le moment, vous devez vous dire, ah, son équipement est pas super bon, en ce cas des trucs quand même. C'est vrai, mon équipement il est pas bon en fait en ce moment. Mais je monte tellement rapidement de niveau que j'ai pas vraiment le temps de m'attarder sur l'équipement. Quand je vais commencer à galérer un peu pour monter de niveau, là je vais pouvoir vraiment me concentrer sur mon équipement pour devenir meilleur niveau stuff. Mais là, on gagne tellement souvent d'équipements meilleurs, hein, de meilleur en meilleur avec les quêtes. Tellement on monte vite de niveau que je vois même pas à quoi ça pourrait me servir. Vu que bah, j'en gagne en permanence du nouveau stuff. Donc voilà. Et voilà, j'ai monté. Ah, oh, bah ok, oui. Bon. J'ai monté de. Classe et je vais monter de personnage normalement en finissant ma quête. Alors, j'augmente guérison de vie. Et j'ai 2 points de compétence. Je vais peut-être prendre. Ouais, je vais prendre ça. Voilà. Je vais le lever au niveau 5, ça. Ouais, enfin, je sais pas. Je vais le lever un peu, mais je sais pas jusqu'à quel niveau. Alors, j'ai choisi celle-là. Et j'ai monté de niveau aussi. Alors, j'ai informé Dominique de ma progression. Voilà. Et voilà, on a fini la série de quêtes. Et il nous reste Virloquin ici à faire. C'est qui donne la quête? Est-ce que c'est elle? Non. Est-ce que c'est lui? Voyons voir. Attendez un peu, il y a un gueule. Ah non, lui c'est pas une quête de même. Alors, Stral. Ouais, c'est lui. Alors, on va commencer ça. Et on va s'arrêter. Oh, pardon.
Ouais, on va s'arrêter dès qu'on aura la quête pour aller parler au gardien d'âme. En fait, on va aller. Même. Ouais, non, on va se quitter ici. Je vais. Pendant le. Entre les deux épisodes, je vais juste aller faire la petite série quête avant le donjon. Et vous attendre à l'extérieur du donjon, commencer l'épisode à l'extérieur du donjon, comme ça ce sera déjà fait. J'espère que vous aimez cet épisode. J'étais un peu fatiguée aujourd'hui, j'avais la voix enrouée aussi, donc j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à vous abonner à mon Twitter et à mon Facebook. C'était Tania, à la prochaine!